pour le petit déjeuner, un porridge là qui ne ressemble vraiment à rien. Pourtant, je vous assure que c'est vraiment super bon. Dedans, donc j'ai mis 30 g de flocons d'avoine, du lait et des fruits rouges. Donc ça va être super avec un peu des liquides flaves, donc l'édulcorant à la noix de coco. Franchement, ça me suffit amplement et ça fait vraiment l'affaire en termes de sucrant. Je me suis levée ce matin, franchement, j'avais juste super faim. Donc un bon porridge, ça me tentait bien. Ensuite, un verre de kombucha et une chicorée pour bien commencer. Alors pour ce midi, vu que j'avais pas forcément fait à manger, on est en mode un petit peu, bah, on rapatrie ce qu'on peut. Alors, une base avec des blancs d'œufs. J'ai mis 200 ml de blancs d'œufs et des épices. Ensuite, du coup, j'aurai une belle salade avec du coup de la mâche et des tomates. On va avoir aussi un petit morceau de patate douce là qui restait et du houmous du coup sur le tout. Wally walou. Je vais voir combien ça fait en calories parce que là pour le moment j'en ai aucune idée, j'ai encore rien compté de la journée. Bon, il est 17h, du coup on se retrouve pour la collation puisque franchement là j'ai juste hyper faim. Là c'est un petit peu tendu, genre, je vous avoue quand là, j'ai faim, j'avais faim ce matin. Après le repas du midi ça va, depuis... une bonne heure et demie, j'ai le ventre qui crie. Je fais une petite collation différente, on part pas sur une ice cream. Et oui, on change un peu. J'espère que ça va bien me caler. Voilà, on va voir si j'arrive encore à tenir les 1007. Même si je pense que cette semaine, ça risque d'être un peu plus dur. Bon, on verra. Alors du coup, je vais tout de suite commencer à assembler les différents éléments. Donc j'ai déjà coupé ma pomme, il faut juste que je la pèse. Donc je vais commencer déjà par peser mon yaourt au soja. Donc là, je vais en mettre 200 grammes. Tu as besoin de quelque chose? Oui. Faut pas hésiter à se manifester. Non! Même des collations de malade. Et puis il vient voler ma pomme. Il a deux tranches de pain complet énormes. Avec en plus de ça, sur une... il a mis quoi? Un œuf avec du boursin, une tranche de pain complet et le fromage qu'on a acheté là chez la boîte à meux là dont je vous ai parlé. Et il vient manger, c'est le deuxième morceau de pomme hein, qu'il vient prendre. Hein. Je suis pas en train de blablater, en train de râler là parce que ça fait une fois. Il récidive! Donc voilà ce que ça donne pour la première partie de la collation et je vous montre tout de suite ce que donne notre fondant. Vraiment fondant à souhait. Super, super bon. Regardez-moi cette merveille. 245 calories quand même la part, hein. Donc ça a intérêt à être bon, je vous le dis moi. Et pour clôturer cette journée dans mon assiette, ce soir, on a un plat à base de pâtes. Donc des pâtes de quinoa, ail et persil. Elles sont vraiment pas mal ces pâtes-là, moi je les aime bien. Dessus, j'ai mis du coup de la crème soja, de la levure maltée et un petit peu de gomasio. Et à côté, on a donc des asperges vertes cuites à la poêle avec une sauce champignon. Voilà, je pense que ça va être très bon. Du coup, pour la journée, on la clôture à 1698 calories de manger, 81 g de protéines, 42 g de lipides et 245 g de glucides. Ça nous donne une répartition en termes de repas. Un petit déjeuner à 249 calories, un déjeuner à 435 calories, un encas à 433 calories, et un dîner à 581 calories. Je sais pas trop ce dont j'ai envie ce matin comme petit déjeuner.
trop. Est-ce que j'ai assez faim pour un porridge? J'ai toujours assez faim pour un porridge. Est-ce que on est plutôt sur des fruits? Flemme de faire un truc trop poussé non plus. Bon, on va déjà se faire une bonne chicorée. Cette boeuf, c'est mon copain qui me l'a offert. Elle est juste trop bien. Parce qu'en fait, vous pouvez régler la température de l'eau que vous voulez, en fait, au final. Donc là, c'est sur 100 degrés. Mais si vous voulez un truc moins fort, en fait, juste à diminuer comme ça. Donc si vous avez des thés spécifiques, bah, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Et en fait, c'est bleu. Et vous verrez quand ça boue, c'est trop mignon. Décidé, je vais partir sur une tranche de pain de sec coupée en deux avec du houmous dessus et une pomme à côté, tout simplement ce matin. Je pense que j'ai pas faim pour plus, avec du coup un verre de kombucha. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si je dois mener des conclusions directes ou pas. Ce matin, sur la balance, moins 1 kg et les grammes pris en fait juste après la pizza de samedi soir. Là, se sont évaporés, on va dire, en deux jours, dimanche, lundi, vu qu'on est mardi matin. Donc ça fait quand même un jour et demi de moins que la semaine dernière. Ce qui est plutôt cool parce que samedi, franchement, j'ai pas du tout fait comme dimanche de la semaine d'avant. Parce que le dimanche de la semaine d'avant, c'était cheat day. Donc en gros, toute la journée, j'avais mangé un peu tout ce qui me faisait kiffer et qui était vraiment, genre je savais que c'était en mode pas sain de manger dans ces quantités-là. Donc là, j'ai fait différemment samedi. Il y a juste eu la pizza du soir et sinon le reste de la journée, c'était comme d'habitude. Donc voilà, je sais pas si ça veut dire quelque chose ou pas, je sais pas si du coup c'est rentré en compte dans ce calcul là, mais du coup c'est intéressant, donc ça fait partie de l'expérience, donc je le dis. Alors pour ce midi, j'ai bien envie de tenter une nouvelle recette qui a l'air vraiment super super simple à faire et très rapide, donc toujours du Veggielicious, vous allez en avoir marre à force. C'est cette recette, les pancakes salés. Je vais m'y mettre et puis bah, je vais vous montrer un petit peu les différentes étapes, sachant que ça a l'air quand même super simple puisqu'il faut juste des ingrédients secs avec des épices, tout mélanger dans un saladier, rajouter du vinaigre de cidre et du jus de citron et puis ensuite bah, mettre à la poêle les pancakes, tout simplement, même pas de temps de repos. Ça, c'est ce qu'on aime. Alors notre base pour ces pancakes, ce sont la farine de pois chiche, des épices. Donc parmi les épices proposées, on a du cumin, du paprika fumé, des épices chili. Alors moi j'ai tout l'attirail parce qu'à force de suivre Amandine, je me suis équipée. Hein. De l'ail semoule. Ici c'est de la levure maltée, donc que j'achète en vrac en magasin bio. Du curcuma, du sel, du vinaigre de cidre, du jus de citron. Des feuilles d'épices, donc là c'est vous qui choisissez, moi j'ai pris de la coriandre surgelée, donc ce qui me reste, j'en ai plus beaucoup. Et on aura besoin de quelques pousses d'épinards ou de la mâche ou autre, vous n'êtes même pas obligé, une fois qu'on aura lancé la cuisson du pancake pour le parsemer. Je pense que ça va être hyper simple à réaliser parce qu'en fait il faut juste que je mélange tous les ingrédients secs, je rajoute du vinaigre et jus de citron, de l'eau et puis ça y est, on y va. Let's go. Maintenant, on mélange les ingrédients secs. Il y avait de la levure également, j'ai oublié de spécifier. Et là, je vais venir rajouter du coup une demi-cup d'eau. Enfin, pour moi, ça sera le double. Ce sera une cup complète, donc 240 ml pour une cup complète d'eau. Parce que je fais la recette pour deux. Là, ça fait une demi. Et voilà, 235, on va ajouter un tout petit peu pour avoir le chiffre court. Après avoir ajouté le vinaigre de cidre, le jus de citron et la coriandre, voilà ce que ça donne comme préparation. Donc c'est une pâte très lisse, sans grumeaux, donc voilà, c'est top. Donc avec ça, moi j'aurai 6 pancakes. Donc maintenant je vais hacher un petit peu les épinards parce qu'en fait, vous prenez une petite louche, vous mettez dans la poêle, vous ajoutez un petit peu d'épinards sur le dessus et quand vous retournez, du coup, les épinards sont en train de cuire avec la pâte. C'est parti, je vous retrouve une fois que c'est tout bon. Et voilà le résultat. Donc on a les 3 pancakes avec un petit peu de houmous dessus. J'ai environ 30 g de houmous. Franchement, ils ont l'air vraiment bons les pancakes. Je suis en train de les faire, j'avais envie déjà de les manger.
Ensuite, un petit peu de semoule cuite, environ 100 g. Des blancs d'œufs et au-dessus, du kale poêlé. Voilà, je sais pas si vous avez l'habitude de snatch ou kale. Moi, non. Mais j'en avais acheté des masses, en fait. Et du coup, il commençait à jaunir. Il commençait à devenir un petit peu vieux. Donc, bah, voilà, je l'ai utilisé. Et là, du coup, je l'ai poêlé. Donc, franchement, juste avec un petit peu de sel et de l'ail, c'est juste super, super bon. Généralement, je mets aussi un peu de paprika fumé. Je pense que ce soir, c'est ce que je ferai, vu que là, il faut le finir. 590 calories. On a donc 62,2 g de glucides, 48,5 g de protéines. T'es pénible. 62,5. Oh la vache. 62,2 g de glucides, 48,5 g de protéines et 14,5 g de lipides. Donc voici un petit peu le détail. Donc houmous, huile de noix de coco, semoule, blanc d'œuf et les pancakes salés. Voilà, les pancakes ont des valeurs hyper intéressantes quand même. On a 20 g de protéines, donc ça c'est cool. J'ai trop hâte de manger, franchement là j'ai juste la dalle. Oui, donc petit arrêt sur image, il est 18h10 et je vous retrouve pour la petite collation. Et du coup j'avais quelques petites choses du coup à vous raconter. Donc pour la collation déjà, on part sur une pomme. Le petit gâteau fait ce samedi qui est juste divin. Franchement c'est difficile d'en prendre une part par jour. Mais le fait de les congeler, oh là là, ça me sauve. Notre petite boisson. Alors s'il y a du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est juste le chéri qui s'entraîne à côté. J'ai pas encore compté le lait végétal hein, dans mes petites boissons. J'avoue, je le compte pas tout le temps. Voilà, je fais pas exprès des fois, en fait j'oublie, donc bon bah... J'oublie hein. La nana qui veut bien oublier certaines choses, vous voyez. Donc ça nous fait un snack à 328 calories, 41 g de glucides, 8,1 g de protéines et 14,7 g de lipides. C'est vrai que je consomme beaucoup plus quand même de glucides que de lipides. C'est une question juste de préférence alimentaire. Je vous avoue que je suis beaucoup plus calée avec des glucides. Et des glucides, il y en a partout. Donc c'est beaucoup plus difficile de complètement diminuer son quota de glucides pour ma part que de diminuer le quota de lipides. Donc voilà, plusieurs petites choses. Là je fais un petit arrêt sur image parce que il faut absolument que je vous parle d'une nana que j'ai découverte là sur YouTube qui est coach, qui s'appelle Claudia Personal Trainer, parce qu'elle fait des vidéos. Franchement je suis tombée sur ses vidéos il y a un petit moment, puis j'avais regardé une, deux, j'avais trouvé ça sympa mais je m'étais pas attardée dessus. Et là je sais plus comment mais je suis retombée sur ses vidéos. Et juste franchement gros coup de cœur, gros coup de cœur. Je trouve qu'elle s'exprime super bien, que c'est clair, que c'est précis, que c'est déculpabilisant, que c'est bienveillant. On apprend beaucoup de choses, ça rassure également. Et je vais vous mettre justement dans cette vidéo le lien des vidéos que j'ai même transférées à ma mère et à ma tante, que j'ai trouvé juste super, qui moi m'ont beaucoup parlé et qui rejoignent le thème de ce challenge, à savoir le fait voilà, de perdre du poids et les fluctuations de poids, notamment sur la balance. Les courbes de perte de poids, c'est pas linéaire comme ça, il y a plusieurs types de courbes et elle en parle. Et du coup je trouve que ça fait du bien en fait, ça fait du bien. Donc en fait franchement j'ai mangé énormément de ces vidéos et là j'en regarde une autre qui est du coup sur la perte de poids et si tu avais besoin de prendre du poids avant, qui est sortie du coup avant-hier, donc là on est le 12 mai et elle est sortie le 10 mai. Et la vidéo est top, en général c'est moins de 10 minutes ces vidéos. Donc du coup ça se regarde aussi relativement facilement. Donc, je voulais vous parler d'elle, du coup je vous mettrai dans la barre d'infos les vidéos moi qui m'ont pas mal apporté, parce que je sais que toi qui me regardes, voilà, on peut partager en fait une partie du même combat, pas forcément le même exactement, mais je sais que voilà, celles qui me suivent, voilà, on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, etc. Donc merci, merci pour votre bienveillance d'ailleurs dans les commentaires et pour votre petit kiff, moi ça me fait trop plaisir de vous lire, donc vraiment merci les filles. Et je pense que ce matin je vous ai déjà dit effectivement pour le jour sans compter, etc. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais voilà, je suis en train de voir. Là je vous avoue, c'est la découverte. Petit update du coup, les feelings quoi, comment est-ce qu'on se sent par rapport à ce challenge, par rapport au fait de se peser tous les jours. Franchement, je suis juste choquée de tout ce que ça m'apporte pour le moment. Ça ne m'a pour le moment apporté rien de négatif. Je vous jure, comment dire, en fait ça me fait grave du bien. Et alors je pense que ça me fait du bien parce que je m'étais préparée avant, parce que j'avais de l'appréhension, mais on va dire que j'étais peut-être prête psychologiquement, bon. Mais en fait ça me fait du bien de voir que ça bouge autant. Ça me rassure
sur le fait que bah, déjà c'est pas en un jour qu'on peut décider de tout basculer ou pas, que c'est pas un jour spécifiquement où tu fais de la merde en fait, ça n'a rien à voir, ce n'est pas ça du tout. Et de voir que ça se régule tout seul, et que ça se régule tout seul. Et je pense notamment qu'on prend du poids d'une semaine à l'autre et qu'on se pèse une fois par semaine et qu'on a pris alors qu'on souhaite perdre, ou qu'on a perdu alors qu'on souhaite prendre. C'est fou à quel point l'émotion qui nous assaillit à ce moment-là, qui est une émotion qui est quand même négative, on a l'impression qu'on a tout fait foirer sur la semaine. Ça se trouve, on se serait pesé le lendemain en fait et le résultat aurait été différent. Et c'est juste ouf. Enfin, je veux dire, moi je vous dis ça, là on est le 12 mai, ce matin je faisais 82 kilos, hier le 11 mai j'étais à 83 en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment hâte d'arriver à la fin de cette semaine pour établir une sorte de bilan sur les deux moyennes, moyenne de la semaine 1 et moyenne de la semaine 2. Donc je me disais aussi que pour le jour sans compter, enfin que j'appelle initialement sans compter, où il y a un repas de cheat meal, donc typiquement repas de cheat meal chez moi, ça veut dire que je commande à l'extérieur, qui a lieu le samedi, je suis en train de me dire est-ce qu'il faudrait pas qu'en fait que je compte, mais qu'en fait j'augmente vraiment mes calories, genre par exemple passer à 2000 calories. Peut-être que ça pourrait être aussi intéressant, à voir. Bon, le risque c'est de vouloir tester trop de choses en même temps aussi, donc bon, je ne sais pas encore trop. De toute façon j'avoue, quand j'aurais mis cette vidéo, je pense que je serais déjà, je serais déjà le samedi, donc bon. On verra bien, je vous partagerai ça en tout cas. J'ai fait le tour là pour ce que je voulais vous raconter. Donc bah écoutez, moi je vais continuer à regarder mes petites vidéos YouTube. J'en ai un petit paquet là. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour le repas du soir. Bon, il est un petit peu tard, il est quasiment 23h. On va se mettre enfin à manger. J'avoue que là la fatigue commence à se faire ressentir. Donc ce soir j'avais 545 calories disponibles. Donc atout number one, les frites au four. Non, trêve de plaisanterie, franchement, en fait, moi j'ai redécouvert la pomme de terre récemment. Un soir où je cherchais quoi manger, j'avais que 300 calories. J'avais envie de frites au four et je me suis rendu compte, ça, si vous voulez, ça fait 100 grammes. Et en gros, ça coûte vraiment, vraiment rien en calories. Je vais tout de suite vous montrer, on va rentrer ça ensemble. Ici, on a une poêlée de haricots verts avec des épinards, avec de l'ail, du sel et de l'huile d'olive. Et là, du chou kale snacké. Donc voilà, alors je vais calculer tout de suite les macros, mais normalement ça va être intéressant. Alors si je retrouve mon téléphone, je passe mon temps à chercher mon téléphone, au plus grand plaisir de mon mec. Il est où? Ah, il est là. Je m'amuse à le poser, je sais pas pourquoi, je m'amuse à le semer comme ça. D'ailleurs, n'importe quoi, il est 22h20, il n'est pas du tout 23h. J'ai un ressenti de 23h, enfin bref. Dîner. Donc je vous montre tout de suite pour la pomme de terre. Pomme de terre cuite. Vous voyez ou pas? 300 grammes, ça vaut 261 calories. Non mais c'est un truc de ouf. 100 grammes, 87 calories. Moi j'avais vraiment sous-estimé ce féculent. Donc vraiment à ne pas mettre de côté. Moi je crois que j'avais favorisé la patate douce, mais en fait la pomme de terre c'est aussi super. Voilà, donc le fait de les faire en frites, en fait, ça demande pas forcément plus de calories, vu que pour les 200 grammes là, de pommes de terre cuites, j'ai simplement mis une très bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc voilà, j'ai tout mélangé à la main avec mes petites épices, et puis j'ai tout mis au four 25 minutes, et c'était terminé. Et du coup, une assiette qui donne aussi envie, forcément, vu que moi, je suis très friande de frites, hein. Donc voilà, c'est cool. Je vais rajouter pour la forme quand même un petit peu d'huile d'olive à hauteur de 1,5 cuillère à café. On va trancher comme ça. Ensuite, on a quoi? Donc des haricots verts. Là, j'en ai mis combien déjà? C'est 189. 189 grammes. Je ne fais pas la différence entre les haricots verts et les épinards. Hein. Chou kale cuit. Et ça, je sais que j'en avais 90 grammes. Donc il faut que je rentre ma boisson au soja. Donc j'ai pris deux boissons chaudes, ce qui me fait 80 grammes x 260. Alors est-ce que je rentre à chaque fois l'huile de noix de coco pour faire cuire les aliments quand il y a besoin? La réponse est non. Je ne me fais pas plus chier que ça, je vous avoue. Je ne suis pas à compter non plus au gramme près pour ce genre d'éléments. Parce que... un élément à nous partager. Ah bah là on n'entend plus personne, là ça marmonne.
Voilà, donc je vais compléter avec un petit truc en dessert, on verra. Et puis ça sera good.